Matthieu 19, nous allons lire à partir du 16e verset au 31e verset. Vous y êtes? Celui qui n'a pas trouvé, il peut dire qu'on l'attend. Nous allons démarrer nos tous ensemble. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le livre des Jean 19 à partir du 16e verset jusqu'au 30e. C'est Matthieu 19. Allô? Matthieu 19. Matthieu 19, à partir du 16e verset. Je lis pour la gloire de Dieu. La Bible déclare, « Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe le commandement. Lequel ? Lui dit-il. Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point l'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et
tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir attendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Amen. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en serait-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons recevra